Et bienvenue à tous dans cette nouvelle partie de Scrabble pédagogique. Oui, vous l'avez remarqué, vendredi dernier ou pas, le chrono est parti par là. Résultat, le bras du micro ne le cache plus. Pas mal, hein. Bon, on y va pour 3 minutes par coup. On essaie de trouver le maximum de points à chaque coup. Si on trouve le maximum de points, la partie passe automatiquement au coup d'après. Si jamais ce n'est pas le maximum, à ce moment-là, les lettres retournent en haut au-dessus de moi sur le chevalet et on doit continuer de chercher. Si au bout de 3 minutes, on n'a pas trouvé, c'est le mot ou un des mots qui a rapporté le plus qui apparaît automatiquement sur l'écran. On regarde à la fin de la partie combien on a raté de points par rapport au maximum théorique. Voilà, c'était la blague du jour. Alors je sais qu'il y a punu qui existe. Il n'y a pas pudu qui existe, il me semble. Ouais, c'est un mot nouveau, je crois, de l'ODS8. J'étais plus tout à fait sûr. Là, on a deux O et le N. On va chercher tout de suite sur le S parce que c'est une bonne tête de conjugaison. ONS. Et là, on essaie de trouver. Alors, comment on va essayer pour de faire un mot avec tout ça? Alors, moi, j'aime bien coller les deux T, ça paraît logique. Et O de T, ONS, ça fonctionne bien. Et là, on peut jouer le verbe émoter, qui permet, ça doit être enlever les mottes, tout simplement, j'imagine. Probablement que sur le U, on peut scrabler avec la terminaison. Alors là, c'est pas, on peut pas faire ONS, parce que si on fait ONS, ben, on n'a plus de voyelles. Hein, donc, c'est tétouon, touéton, c'est un peu moins. Donc, on va essayer plutôt de faire, malheureusement, euron. Je dis malheureusement parce que c'est moins facile, on essaie d'utiliser, de ne pas utiliser le joker généralement pour la terminaison. Donc on pourrait jouer tout rond, comme ça, le verbe touer, il faut connaître. Sur le P, il y a probablement un scrabble, potenta, non. Ponote, c'est qu'avec un T, je crois. Ponote avec deux T, ça n'existe pas. Non, il y a forcément d'autres, enfin je vois pas pourquoi il n'y aurait pas d'autres scrabbles. Nous on va jouer le top, émoton, voilà. A2E2LMR. On colle les deux L, ça c'est obligatoire parce que ça, on a pas mal, on a 4 consonnes, 3 voyelles, donc on essaie de manger des voyelles, de consommer des voyelles avec une terminaison E, 2 L, E par exemple, et là on trouve RAM, RAMEL, MAREL. Malheureusement, il n'y a pas de Scrabble sec, ce qui peut expliquer comme quoi c'est qu'il n'était pas très malin de chercher un Scrabble sec puisqu'il n'y a pas de S, etc. Mais on aurait pu avoir MAREL qui donne MAREL et E, mais qui n'existe pas. Gamélé sur un G, par exemple, se gamélé, se croûter, se vautrer, se grainer, se tomber. Sur le P, je ne trouve pas. J'ai Péramel, mais ça s'écrit avec un E final, il me semble bien. P-E-R-A-M-E-L-E, il me semble. Sur le T, Martel. Alors, Martel ne s'écrit pas comme ça. C'est une je pense pas qu'il y ait eu de correction dans l'orthographe récemment, donc Martel 2LE, je crois pas que ça existe, voilà, c'est avec un seul L, hein. Martelé, eh oui, la langue est pas très facile. Mamel, est-ce qu'il y a 2 ou 3 M? Je crois qu'il y en a que 2, enfin 2 en tout, quoi. Donc Mamel, ça marche. Pff. Donc on va jouer Martelé en quadruple déjà. C'est pas le top, donc très probablement que le top est un Scrabble. Remballé sur un B, emballé sur un B. Bon, alors, sur le U, on va essayer de trouver un truc. Comment je peux vous faire trouver ça? Parce qu'il y a un Scrabble et malheureusement, ça fait énormément de points. Normalement, on cherche la terminaison E-E-U-R, mais qui consomme pas mal de voyelles, ce qui n'est pas terrible, puisqu'on a plutôt des consonnes sur la réglette. On peut chercher, en cherchant le quadruple, on peut trouver allumé. Et comme il nous reste un R, on peut jouer rallumé. Une petite pensée pour Antonin Michel, qui avait raté comme seul coup au championnat de France de Limoges, allumons en Scrabble. C'était le seul coup qu'il avait raté, ça avait dû lui coûter une cinquantaine de points. Pas mal. Ou 37, 47, il me semble qu'il y avait un 7, je sais plus. On poursuit CFGH, c'est très moche, mais avec un peu d'astuce, on peut réussir à construire un mot. Regardez, fichage, ça n'existe pas, mais fichage, ça aurait pu. Ça existe fichage, hein, le fichage des, voilà, des criminels. Vous voyez, avec FC, CFGH, c'est quand même beaucoup de consonnes semi-chères, et pourtant, semi-chères, hein, c'est qu'il vaut 2, 3 ou 4 points. Généralement, on utilise surtout sur 3 et 4, on utilise un peu moins le terme semi-chère sur les consonnes à 2 points, mais il n'y a pas d'exclusivité, je pense, enfin, à ma connaissance. Donc on aurait pu jouer flicage également, hein, comme ça. Bon, on ne va pas chercher sur ce E, c'était juste pour vous montrer des exemples. Filochage, j'imagine.
peut-être un mot sur le O, là, flochet, lochet, galochet, etc. Ici, on peut mettre un O, on n'a pas de O, donc verticalement 4A, on va éboulier la place. Ici, de la chair, ça commence à faire un petit peu de points, 26, peut-être ici, là, comme ça. Alors, on va chercher, on va, indépendamment les unes des autres, c'est lettre chair, le C, le H, c'est lettre semi-chair, le C, le H se colle bien, mais rien qu'avec le H, on peut mettre le pivot ici. On peut jouer DA, si vous connaissez le Scrabble un petit peu, vous connaissez DA, D-A-H, qui est un nom commun. On peut mettre un S au bout et également un U, le DAU. Oui, les mots qui sont dans le dictionnaire, enfin en tout cas le dictionnaire de Scrabble, mais dans tous les dictionnaires, sont pas forcément des choses, des noms qui n'existaient pas parce qu'un mot existe, que la chose qu'il désigne existe. Exemple, licorne. Exemple, dragon. Enfin, dragon, ça existe, mais pas sous forme comme mythologique, vous voyez ce que je veux dire. Griffon. Pas le griffon, c'est quoi le griffon? C'était un animal magique là, un animal mythologique, mi-homme, mi-aigle ou un truc comme ça, mi-aigle, mi... Un griffon c'est quoi? Mi-aigle, mi-scorpion et remi-ours derrière, je sais plus. Enfin voilà, c'est pas parce qu'un mot existe que la chose qu'il désigne existe. A2E, A3E pardon, IST, beaucoup 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 de voyelles, on va chercher, si on cherche un Scrabble, on cherche surtout sur les... consonne, par exemple sur le M, matier, émétier, émestier, non, tétier, tétayer, etc. Ça peut scrabler sur le T. On peut jouer la terminaison EE, parce que ça consomme, hein, ça consomme des voyelles. On va terminer par exemple en tier, et astier, émastier, bof, en zier, ou sier, ou stier. Un peu plus forte en isé, et là vous pouvez trouver éventuellement le Scrabble, c'est étatisé. A noter qu'il y a une anagramme, c'est un anaverbe, à étatiser, le verbe étatiser, c'est anaverbe du verbe saïeter. Alors ça se prononce saïeter, S-A-I-E-2-T-E-R, ou C-T, S-A-I-E-2-T-E-R, c'est un peu... voilà, c'est utiliser une saie, je crois, qui doit être un outil. Je suis pas sûr de... C'est du jardinage ou quelque chose d'approchant. Voilà, c'était qu'à chaque fois que vous avez étatisé, vous pouvez jouer le verbe c'était avec les mêmes conjugaisons. C'est le principe des anaverbes. On a un Z, un Q. Bonjour les voisins. Bonjour les voisins qui commencent leurs travaux pile poil à 8h30 du matin. Merci, merci les voisins. Moi je joue tôt exprès pour pas qu'il y ait trop de bruit. Malheureusement, je suis pas le seul à penser comme ça, semble-t-il. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Sinon, bah, tant pis, j'y peux rien. Je peux pas aller les empêcher de travailler. On a un Z et un E, on a un Q qu'on pourrait jouer en pivot ici, on pourrait jouer 4 QAT qui forment Qi, As et T, malheureusement on n'a pas de A. Il faut trouver soit les U de la grille, il n'y en a que 2, bon, et ils ne sont pas accessibles. J'essaie de trouver des mots avec le Q sans le U, je n'en vois pas, fac, coq, etc. Donc on va utiliser le Z qui est beaucoup plus probable sur une case rentable comme la case 14F ici, mais plutôt en conjugaison comme ça. B, c'est dommage, hein. Ça marche pas bien. Gobé, ça fait un peu plus, pardon. 30, ah non, un peu moins d'ailleurs, 34. Ici, on va essayer BT, TB, jeté, TG. Je ne trouve pas. Ici, gobé, non plus. Ici, bézo, zoté, zobé, zoté. Non. Ici, sur le Z, toujours pas, hein. Tos, zot, zet. Beauté, goté, bof, gobier, ça fait une lettre de plus, 36 points. Alors. Gommé, baumé, baumé, non, toujours pas. Le Z ici non plus, ici, je trouve pas du tout. On aurait pu avoir blet, B-L-E-T-Z. Je n'ai pas du tout la place du top. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de points. BG, GT, BT, BT, OBT, GOBT, c'est un verbe ça, non? Oh, c'est un verbe qui est rentré à l'ODS 7, je pense, en 2016. J'avais un peu oublié celui-là. Peut-être qu'il est ODS 8, je ne sais plus. Qu'importe, aujourd'hui, il est valable. Et je ne connais pas du tout la définition. Je vous la mettrai en description. N'oubliez pas de regarder et pensez à vous abonner. À liker si vous appréciez le contenu. Comme ça, pour faire grossir la chaîne, vous serez peut-être le 600e abonné. Incroyable. Le W toujours, enfin pas du tout toujours, il vient d'apparaître. On va essayer de le mettre sur une case bleu foncé ou en pivot. En pivot pour le U. On a déjà regardé le coup d'avant, le U il est là. Il n'y en a qu'un de disponible là. Bon, WN c'est une séquence assez rare qui existe, hein, qui existe dans Crown, dans Clown, Clownesque, Clownerie, Clownerie, oui probablement. Mais pas beaucoup de mots. Ici une case bleu foncé, et oui, boum, 32 points. Ce n'est pas le top. Alors, où est-ce qu'on va faire? Peut-être ici.
Wilt, non. On a 32. Alors, Awele, Awale, Wile, Wale, sur le G. Bof, hein, on peut pas, je pense pas qu'on puisse utiliser le mot triple ici. Ici, ah voilà, twill, hein, twill, twill, c'est du tissu. 34 points, un mot qu'on rencontre très régulièrement. Le Q, toujours là. Toujours pas de cat, de kit, de kin, kin, Q-I-N, Q-I-N-G, mais ça fait pas beaucoup de points. Et mes voisins s'en donnent à cœur joie, vive les travaux! Sur le T, parce que le Q, j'arrive pas à marquer beaucoup de points avec. Je vais essayer sur le T, on va faire abstraction dans notre tête ou physiquement. Vous avez le droit de prendre la lettre et de la mettre de côté pour pas la voir. Et chercher un mot de ouf sur le T en posant si possible le V ici. Alors, on va poser le V. On va jouer vos, vote, votre, par exemple. Et ben voilà, il n'y avait pas mieux. Il aurait pu y avoir vautrin, vétiron, mais là, il n'y avait pas. On a à nous toujours le Q qui nous colle au doigt. On a cette fois le C pour jouer coq. Donc on peut jouer coq ici, qu'on va jouer tout de suite pour voir si ça marque pas mal de points. 24. Non, ce n'est pas assez. Ici, coq fera un petit peu plus. 28. Malheureusement, on n'arrive pas à aller beaucoup plus loin. Je crois pas, hein. Je crois pas qu'on puisse. Non. Non, je ne trouve pas. Devant vitre en trois lettres. Je ne vois pas de mots comme ça. Non. Sur le G, non. Ici, capon. Est-ce que ça fait plus que 28? Oh, ça fait 30, je pense. Je pensais pas. Capon, capo, capon. Capo, capon. Capon, capron. Capron. Je crois bien. Deimnoq, je vous ai déjà parlé. Quand je commençais le Scrabble, j'avais une hantise. Un peu après mes débuts. C'est les mots en on, les noms communs en on, qui au pluriel font une forme verbale. En l'occurrence, le verbe caper existe. Ça veut dire. C'est comme rober, ça veut dire, je crois, mettre des feuilles de tabac autour d'un cigare pendant la fabrication ou après ou pendant, je sais pas trop. Et au pluriel, donc capon, ça donne des capons ou nous capons, du verbe caper. Et ces mots me faisaient un petit peu peur parce que j'avais l'impression qu'il y en avait des milliers qui existaient et je les connaissais pas. Par exemple, riblon, par exemple, casson, CA2SON. Qui donne cassé au pluriel. Hein. Riblon ON qui donne riblon ONS. Bridon BRIDON qui donne nous bridon BRIDONS. J'avais vraiment l'impression qu'il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup. Ça doit être la première liste de Scrabble que j'ai faite. La liste des mots en ON qui prennent un S au pluriel qui devient une forme conjuguée. J'avais beaucoup de temps à l'établir cette liste. Mais je l'avais bien lu, ça m'avait rassuré. D'ailleurs, un peu plus tard, j'ai joué. Ah non, non, rien. Une anecdote qui marche pas parce qu'en fait elle est pas correcte. J'aurais pu faire comme si, mais non. On a le Q encore. On va jouer Kin par acquis de conscience. Mais ce n'est pas le top, hein, parce que ça fait quand même vraiment pas beaucoup. 11 points. Ici, on peut jouer Mine. Dim, allez hop. Dim, ça fait un peu plus. 17 points. Où est-ce qu'on peut marquer des points? Sur le G, ça fera pas assez. Hein. Regardez, Gon, ça fait que 14. Et devant le P, on peut rien mettre. Donc ça sert à rien de s'exciter ici. Ici, on pourrait jouer un mot assez long comme Damine, etc. Mais on est qu'à 16, alors peut-être, hein, Manidi, Magnoïde, Amidon. Ça fait 16 seulement, on n'arrive pas à gratter un point de plus. Rallumer, ici, démon peut-être, ça fait un peu plus, 19 points. Minode, démon, dénome, dénime. Une étymologie probablement parce que la toile de dénime venait de Nîmes. Voilà. 21 points. Alors, 21 points, c'est pas beaucoup. Ici, une démo, ça fait 22? Ah non, ça fait que 20. Malheureusement, W, non. Là, Mib, Nib, Dib, Ami, Mob. Pose, ça n'existe pas. Pèse, ça n'existe pas. Mib, bof. Alors, là, Dôme. 25 points. Oui, bah, t'as 3 secondes. Mode. À noter que derrière mode, on peut mettre un S, évidemment. Hein, mais on peut également mettre un M pour faire modem. On y pensera si jamais on pioche le troisième M. Il en reste un, moi je vois pas. Vous, vous voyez pas le reliquat, mais moi je le vois en haut, il reste un M. On a encore le Q. Je vais taper Kin aussi, par acquis de conscience. Gon qui fait plus, 14 points. 4, on a 4, hein. QAT dans les lettres. Ici. Alors le tanin, c'est possible avec un seul N, le tanin? Oh bah oui, ok. 14, je pensais que c'était 3N, tant pis. Ici, 8, 9, 13. Ici, ça fera moins. Hein. Je tape un mot au hasard, 14, ça fait. Ça fait que ce qu'on a alors. Ici le T. Tout. Note. Note. Out. Out. Ça fera pas plus, si. Non, ça fait que 13. Sur le P.
P, non. Alors, mode, non. 7, on peut pas prononcer. Le Z, on a 14. Nazi, ça fait 13. On y est, non. Mode, Tino Nato. C'est ça, hein, c'est pareil. Hein. Là, ici, bah t'as non. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Pff. Comment on peut faire plus? Là, win, one, wanted. J'essaie de trouver un endroit où on peut faire plus, il n'y en a pas beaucoup quand même. Not. Nat, pardon. Natty, Natni. C'est vraiment. Dahu, toujours pas ici. Là, Ima. Iman, Timan, Niman, Atiman, Toiman, Vitre, ENT. 10 points, non, vitre, un vitre, vitre. Alors là, je vois pas d'endroit du tout. Am. Mmh. 7. Canoun sur un U, pas de U dispo. Je vois pas du tout où est-ce qu'on peut jouer des mots qui servent à quelque chose. Ah. Alors là. Où est-ce que c'est que ça? Ah, il y a un i ici, pardon. Oui, ça fait combien? Ah, zut. Nui, tui. Maman, man, toun. Toun. Avec le cul, vraiment? Kin? Cat? Qui passe quelque part que j'ai pas vu? Je vois pas du tout. Matt. Ah, j'ai pas trouvé de mot. Ok, moins 2. Ok, bon, bah j'ai cherché pas assez longtemps à cet endroit-là, mais imat, j'ai pas trouvé de mot, vraiment. Tant pis. On a le F qu'on va essayer de jouer tout de suite en pivot. Ou pas, alors je vais taper Gon. Par acquis de conscience, toujours. 14 points. Ici, le F, Fano, Feno, Fono, non. Ici. Vanar, Vénar, non. Fanny, Fanet. Allez, hop, c'est parti. 16 points. Ici, Fana. Hop. 19 points. C'est tout. Pas mieux. Non. Alors, ici, Fat. Ça fait plus. Oh, de jolies lettres. Malheureusement, on a une grille assez, assez bouchée. On a le S ici. Hein, au bout de rallumer. On va jouer que là-haut. Ah, ici, on a quai. Quai comme ça. Non, on a un peu mieux avec Anki. Verbe s'enquérir. Voilà. Niaké, non. Ici, j'arrive pas à mettre le cul parce que Kaz, Quoz. Non, Ken, ça marche pas. Vous voyez quelque chose comme ça, là. Ça fonctionne pas. Le S ici non plus. Un ici, Ask. Mais ça fait pas assez, Ask. Ah ben, ça arrive même pas jusqu'au trip, pardon. Sanok, Sakwa, Akwan, Aken, Ak... Nask, Nosk. Oh, c'est une blague. À vitre et vitre au vitre. Alors, sur le E, Anoké, Sanoké, Sonaké, bof. Non, le U ici, non. Pour Bdahu, là, il n'y a pas. Sur le O, étatisé, j'avais pas vu. Saun. Ça fait 28, zut. Sac, j'avais pas vu le mot avec le Q. Saké. On a de jolies lettres à nouveau, mais toujours pas de place de ouf pour Scrabble. Donc on va chercher ici le B. Et on essaie de trouver un mot qui va en mettant le S. On peut jouer, le plus simple, c'est de jouer Bina. Voilà, ça nous laisse les deux O, mais tant pis. Dolo, tout ça, on aurait pu avoir sur un T ou un S avec la terminaison Euron pour le futur du simple, de l'indicatif du coup, Doleron. Mais il n'y a pas de S, pas de T disponible pour Scrabble. Sur le B, on va essayer de mettre un mot doblé, dobné, dobren. Allez, on voit ça un petit peu à la baisse. On va jouer bled, c'est déjà pas mal. Est-ce que sur le I, on a rondol, rondelo, non. Nordol, non. Ici, adroit, adouane, adrine, adrenne, non. Alors peut-être là, un deblon, débron, doblé, noblé, rebond. Pas mal, hein. C'est très très cher, enfin ça fait plus 6 par rapport à ce que j'avais avant. Beaucoup de voyelles désormais sur ce tirage. On va
tranquillement chercher les bonnes places. Pas de Y en pivot, si. Ici, regardez, un Y, parce qu'on a cherché les A. Et Rye, que vous devez connaître, ce fameux... Le Rye, c'est le whisky canadien, je crois. Ça fait énormément de points, 65. À nouveau, de très jolies lettres. Comment s'en sortir? On cherche les appuis pour le Scrabble, parce que les lettres sont vraiment très très jolies. Donc on a le D en bas, le N de rebond, le E de émoton, voire en commençant en A1, ce qui ferait beaucoup de points, voire en A2, pour terminer juste après le E, éventuellement un Scrabble sec ici, et c'est à peu près tout pour ce qui est des places classiques, on va dire. Je ne vois pas du tout de Scrabble renfolié, floréine, flérion, florienne, bof. Ici, noflienne, non. Non, alors on va jouer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ici? Gif. Hop, 23. Ici, philo. Un peu plus, non? 26. Et là, c'était le top. Il fait pareil que ronfle. Philo, c'est pas la philosophie, hein, c'est autre chose. H2IRSU Joker, c'est pas très joli. Il y a des 9 lettres possibles comme 8 triés au pluriel ou. J'en avais un autre, c'était quoi? C'était 8 triés ou. Bah j'ai plus, j'en ai. Irudine, voilà. Irudine, c'est bon. H-I-R-U-D-I-N-E, je pense. Du coup, S pour le 9 lettres. On va jouer. Alors, moi, le truc qui m'attire, c'est que j'ai un S. Et c'est le S au bout de saké, parce que saké fait des points. Et qu'on n'a pas beaucoup de place pour faire autre chose. Et donc, j'ai regardé ici. J'ai mis le H dans ma tête ici. Ça finissait par IS, c'était obligatoire. Pas obligatoire, mais tant qu'à faire, sur la case bleu foncé, j'essaie de mettre une vraie lettre plutôt que le joker. Et avec le H ici. H-I qui finit par IS, IE. Ou alors, si vous ne connaissez pas encore ce verbe, et c'est pas bien parce que le verbe IE, il faut le connaître, UE, qui fait donc 38 points. Ça me rapproche de la possibilité d'un Scrabble, peut-être sur le O. Ah, c'est parti. Ou sur le E. Je vais faire l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 8 liés, non, M, oh attendez, Rizorius, non, Istrium, il n'y a pas un truc comme ça, M, N, O, P, Phtirius, sur un P ou un T, Q, R, S, T, Vitrier, ça fait 9 lettres. U, V, W, X. On ralentit. Y, Z, j'ai pas. J'espère que c'est pas sur le. J'espère que c'est pas sur le E là en triple. Irrésidition. Bon. On refait l'alphabet parce que je vois pas qu'on peut faire plus que 38 sans le Scrabble. Je regarde vite fait sur la grille, mais ça me paraît impossible. Sur le D alors? Bon, ça va être là. Malheureusement, et le O, le R. Ok, doublement du S, j'ai merdé. Tant pis. On cherche le J, alors je tape vite fait jouira pour me rassurer, parce que je vais taper quelque chose. On est à 26 points. Oui, j'ai la rage d'avoir raté huissier, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je peux pas le changer, hein. C'est pas le top, alors déjà, jam, ça marche pas. Sur le haut, j'ai pas mieux. Gère, jouir, j'ai pas. Comment on peut marquer plus encore avec ce J là? Jovial, non. Jouira, jom, moge, vouge. Mojave, non. Comment on peut faire plus que ça? Jiva, jova, nuva, injuria. F, non, jivaro. Alors, on a 26. On n'a pas un pivot pour le V.
Non, ici, il n'y a pas, on voit bien. Hein. On n'a pas ici VEU, peut-être. Ah, peut-être verticalement Java. Non, mais on a combien là? 23? Ah. Non, et ici, VE, comme ça, quelque chose comme ça, mais ça fera jamais 26, on n'a que 19. Avec ces lettres-là. Ici, alors, jour, gère. Là, Jomiré, Vaugirais, Jove. C'est pas possible. Ok, if, juif, javi. C'est pas possible ce V. Vajrayana. C'est bien beau de connaître des mots longs si on trouve pas les mots courts. Elle, Lugira, Jumira. Allez là! Je sais pas. Plus beaucoup de lettres dans le sac. Comment je peux ne pas trouver là? Alors. Jovi, Javi, Javi, Jami. Jumi, non. Ja, Hadji, Hija, non. Mode modéré. Pour moi, ça peut être que là ou là, sur le O de ronfle ou sur le R à la rigueur. Sur le D, le N, le V, mais ça fera jamais plus que 20, 26. Ok, je ne connais pas ce mot. Ça fait partie des six lettres de l'ODS 8, je pense, que je ne connais pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, pas de regret. Oui, je sais, je joue à un jeu, je ne connais même pas les règles. On a le Romaji, donc on peut mettre un S, j'imagine. Un E, peut-être? Non, juste un S. Je vais essayer de trouver un mot. Alors, geek, par exemple. Non, versus, tout simplement. Hein. Ça fait déjà des Voici ce que points. j'ai trouvé. Ah, il y a Siri qui s'énerve. Un souk ici, ça fait des points, ça devrait être le top. Voilà, on pourra mettre un S au bout, mais il n'y a plus de S dans le jeu. On a X, on va chercher les pivots ici. X, non, Gex, hop, ça fait plein de points. Ouf, c'est pas le top 41, on cherche encore ici. Neveu, boum, des millions de points. Et la partie s'achève sur un top inconnu, non, sur un top à, j'ai raté, pardon, à 905 points. J'ai finalement raté deux coups d'affilée. Et je termine cette partie à combien? On va cliquer sur feuille de route. Ma feuille de route, ça fait combien? Ah non, trois coups, pardon, 27 points, dont 23 sur huissier. Comme d'hab, je rate un petit Scrabble. Bon, rien de. C'est pas de la folie. On se retrouvera ensemble demain, peut-être pour demain que je ferai demain matin des parties contre des joueurs en classique en 1 contre 1. J'essaierai de rendre ça le plus ludique, sympa, rigolo. J'ai dit trois fois la même chose pratiquement. Et d'ici là, bah, protégez-vous bien, mettez des masques, aimez-vous les uns les autres, et puis on se retrouve dans 24 heures.